Ouais, j'ai une bonne idée. Ouais. Et je viens d'avoir une bonne idée. Dans le marais en tant que tel, je vais me trouver un endroit. C'est là que je vais faire ma maison. Dis-moi, petit, j'ai une question à te poser. Suis-je mort? La question! Nous ferions donc mieux de nous faire discret. Exactement. À la discrétion, commençons tout d'abord par un bon accoutrement. Sans vouloir vous offenser, monsieur Roland. Hein? Je viens d'un autre monde, là. Ça, c'est normal, ça. Hein? Je viens d'un autre monde. Puis ça vaut très cher. C'est digne de moi, ceci. Quand je suis président des États-Unis, c'est pour cela. Il n'y a pas de l'air d'être... de faire ça son bonheur. Ma tenue vous convient-elle maintenant? Ça a l'air ridicule. Quelque chose de même, tu sais. Oh, ça te va bien! Pour eux, c'est normal. Et pile à votre taille. Avez-vous d'autres armes à part d'une une épée? J'ai bien mon fusil, mais j'ai bien peur qu'il ne me reste plus beaucoup de balles. Ce n'est pas un problème. Une fois équipé à la chevalière, vous n'aurez plus besoin ni de balles, ni de flèches. Mais oui, bien sûr, vous avez la tête. Comme si tu savais! Cette taille est tout ce qu'il y a de plus normal. Un passage secret ne serait pas secret si on y était voyant. Un bouton devrait se trouver au fond de cette étagère. Gosh. Wow! On se croirait dans un film. les commentaires. Comment tu veux rentrer soit là-dedans? Trouver l'erreur. Ah, ok, il essaie de se sentir. Alors, je vais. Ok, parfait. Ça m'arrange. Faudrait que Roland est plus fort. It's coming back. Gosh, what in the? Oi, you two! You can see my little lovelies, can't you? Why not up and lend you a hand? Là, je peux juste faire. Tiens-toi! Je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est parce que vous allez savoir assez rapidement. J'aurais dû faire changer d'arme à lui. Voilà! Fin! Oh, salut! Vous m'avez l'air de pirate. Dites-moi, ça vous dirait de regarder ce que je vends? J'ai des herbes toutes fraîches. Que fait un marchand ambulant dans un tel endroit? Comment dire? J'ai un magasin à Carabas, mais il y a eu du remue-ménage, les ratocrates. Ont pris le pouvoir, vous voyez. Du coup, dans le doute, j'ai préféré m'enfuir. Oh. Je vois. Hein? Mais vous ne seriez pas la Sa Majesté Evan par hasard? Vous êtes en vie? Mais j'ai vu des annonces de votre mort au Mekabuki. Facebook. Mekabuki. Wow. Ah, c'est pour moi?
Vous obtenez une branche d'arbre. Pas n'importe quelle branche d'arbre. Qu'est-ce que c'est? On dirait bien une branche. Je vois. Chef Vouivre. And what brings you here? C'est quoi ta voix? Wow. Nous sommes venus récupérer Sandy. Rendez-nous là. Rendez-la nous plutôt. Vouloir fille pirate. Mais vous, pas ressembler pirate. Si vous pas de valet broasque, nous pas parler. Le dôme sacré n'attend plus que nous, Evan. Hey, j'ai bien entendu, vous comptez aller au dôme sacré? Oui. Mais pourquoi? Il faut avoir de sacrées bonnes raisons pour pouvoir aller dans un endroit pareil. Cette tête de mule veut faire un pacte avec un gardien pour devenir roi et amener la paix dans le monde. Vraiment, un roi qui amène la paix dans le monde, hein? Dans ce cas, vous feriez mieux d'y aller en planeur avec quelqu'un qui connaît les environs. Et vous avez de la chance, je me porte volontaire. La réaction de son pas. Sors en plus des trois. Je vous envoie surtout plus en peur, là. Hein? Quoi? Alors ça, je voyais pas dire. Pourquoi que j'ai vu Evan du Roland? Pourquoi? Parce que c'est écrit Evan Roland et Zora, quoi? Oh, wow. Et qui t'a dit que tu pouvais y... Tu dis toujours que je dois décider par moi-même, pour moi-même. Donc j'ai décidé que j'irai avec eux. Santi vous a rejoint. La réaction de son père. Oh, je suis découragé. Salut tout le monde, je m'appelle Steve Harris. Des fois, oh. Voilà. Oh non, pas le requin. Le requin, c'est un autre qui est énervant. Bye bye. Pourri.
Tu vas manquer. Ah, fuck. Lui, il m'a pas manqué, par contre. Mec, ils sont snipers, pis aussi ceux au canon sont snipers, et pas à peu près. Tellement qu'ils m'énervent, du coup. Ah! Que penses-tu de cette branche? Cette baguette! Oui, c'est ça qu'on veut une. Attends, t'as bien dit une branche? Tu veux faire le pack avec une branche d'arbre? C'est dur avec moi, là. C'est une baguette! Ok, je vais vous mettre l'extrait de dans Ni no Kuni 1, ok? Juste pour que vous sachiez de qu'est-ce que je veux parler! Ah, vous me forcez à faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? You're the little girl I met before, huh? Mm-hmm. We met before. So, how do you know who I am? I'm really, really sorry, Oliver. Huh? Your mummy. I'm sorry. I couldn't save her. Huh? I don't... Why would you be sorry for that? I wanted to save her. I really did. Huh? Hey, wait! Where are you... going? Hey! Where did you go? Ollie boy! Why are you talking to thin air? Mr. Drippy, she disappeared again. Huh? Who did? That strange girl. That's the second time she tried to talk to me. What's that? A girl? Where? You're right about strange. I can't see her any flipping where. Well, how could you? She disappeared into thin air. Well, anyway, there's something I want to ask you. There is? Sure, go ahead. Do you mind it? You know, having a sidekick, like? Huh? A sidekick? Who do you mean? Crikey, that's cold. Who do you mean, he says? Why not stab me in the heart while you're at it? I mean me! I wanted to know if it was all right me joining you on your adventures. Or if you were maybe wanting to trade me in for a younger, prettier model. But it looks like I got my answer, huh? Well, so you know, if you don't have faith in people, you'll never see their true worth. And what's more? Look at this. Huh? It was on the ground, right where that girl was standing. Chuck it here, then. Top. Well, I'll be a monkey's uncle. It's a wand. You mean it? A real wand? Come over by here and take a look, man. It might seem like any old stick, but it's got all magic writing on it, see? It does, huh? Wow. Is that how people write in your world? The runes are all faded, so it might have lost a bit of power. But for our current purposes, it's a beauty. Neato. What a stroke of luck. Luckier than you know, Ollie boy. Dude, I never thought we'd actually find one. Do you think maybe that girl brought it here for me? Bah, tant pis. Ça fera l'affaire. Puis elle a l'air plutôt solide. Vous avez vu la référence, au moins. Hein? Vous comprenez de quoi que je parle. Bien. Elle a plutôt solide juste pour pas chercher encore, hein. Allez, hop, c'est parti pour le pacte. Brandis ta branche et tiens-la bien. C'est tellement beau les nouvelles musiques. Je vous le dis, là, les nouvelles musiques sont beaux. Hey, vous savez, les chutes d'eau. C'est plus un problème. Vous voyez la vitesse quand je monte ça. Oh, wow. C'est un lama, ça.
Mais vraiment là, c'est beau. Une phonie là. This will be over in no time. Quoi ça? J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, quelqu'un de monde vient ici, c'est tout de suite pour ceci. Ouais. Pour l'ordinateur et tout le kit. Je vais tenter un rendez-vous. Oh oui! Ça a fonctionné! Hey, ça a pris du temps. Je rush ces petits en gros. Si vous le demandez. Puis quel niveau que je suis rendu, ça vous le saurez dans la prochaine vidéo. Ouais, en train de rusher CFT. Il est d'aplomb. Je pense que j'ai jamais joué autant un jeu comme ça, là, j'ai jamais joué autant un jeu. Oui, j'ai joué, oui, c'est vrai, j'ai joué des heures et des heures, des heures et des heures. Exemple Pokémon. Ou un jeu. Je pars un nouveau jeu, tout ça. Mais c'est plus en plus avec les événements et tout. Oh mon dieu. C'est incroyable. Comment que je suis parti là-dessus, là, en ce moment. C'est nous, Seigneur. Ouais. Voici Captain Fleur de l'Est. Plus connu sous le nom de Champion MCL. Allô tout le monde, voici Légendaire MCL. Plus connu sous le nom de Champion MCL. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Sir Thieve. En compagnie de votre cher unique Captain Fleur de l'Est. Je me tiens près du feu parce qu'il fait frais un peu, Sir Thieve, parce que. On est dans le nord. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ah ah. Wow. Quel le boy. Sweet lame bro. Toi tu te vois-tu? Toi tu te vois pas probablement, Nick. T'es comme bien penché. Bien penché, c'est vrai? Ok, oui. T'es bien penché. Oh, dégueule. Par en arrière? Là. Ouais. Une fois, je me souvenais pas si c'était avec lui justement. Mais on a joué, on était quatre sur le bateau, non même pas, on était deux, on a fait des quêtes toute la nuit, puis on avait un troisième qui s'était rajouté au début de la soirée, puis il restait là toute la nuit à passer les récompenses sans rien foutre.
Ouais, dans le fond, il était resté sur le bateau des données, puis il bougeait pas. On avait crissement ramassé du stock. Ça a dû être payant. Puis là, quand Amalé, il s'est réveillé, genre, 8 heures plus tard. Il a crissé dans... Ouais, 8 heures plus tard, parce que je pense que c'était quand j'avais joué 15 heures de temps. Là, on l'avait enfermé dans la prison. On l'avait enfermé dans la prison, puis on riait de lui ici, jusqu'à temps qu'il quitte. Allo tout le monde, voici Champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ni No Kuni 2, 6ème vidéo. À côté de l'oiseau malheur de dette. Ouais. Nous sommes endettés de 10 millions de florins, car nous avons que 4000 florins. Qu'est-ce que tu fais avec une peau dans ta tête? Ben, j'ai pas pu m'empêcher de me faire une petite partie. Ok. Et combien t'as perdu? Oh, c'est pas une si grande somme que ça, hein. Ça va enfin... Disons que, tu veux pas savoir. Trop grosse, hein? Probablement plus haut que 10 millions de florins. Peut-être 1 milliard de florins. Oublions mon crétin de peur pour l'instant.